Les dirigeants du TMB sortent les gros moyens avant la trêve des confiseurs. Après une 11e défaite en 15 matchs, le coach du Tour Métropole Basket vient d'être remercié, remplacé par une pointure, Valérie Garnier. L'ancienne sélectionneuse des Bleus a pour mission de stopper l'hémorragie du club, qui est avant-dernier du championnat de National 1. Faustine Luneau. À peine annoncé, déjà arrivé. Ce matin, Valérie Garnier animait son premier entraînement en tant que nouvelle coach du TMB. Pour l'ancienne sélectionneuse de l'équipe de France féminine, il s'agissait de prendre ses marques et surtout de faire connaissance avec ses joueurs. Je vais les découvrir petit à petit, mais j'ai déjà scouté 3-4 matchs de tour, donc je sais qui est qui et quelles sont les forces de chacun, même si en entretien individuel, ils me parleront un peu plus d'eux. Je vais découvrir la Nationale 1 et je vais découvrir le milieu masculin, mais je suis prête. Car celle qui n'avait jusque-là entraîné que des équipes féminines souhaitait se tourner vers le basket masculin. Le club a saisi l'opportunité en lui proposant un premier contrat d'un an et demi qu'elle a accepté. Je me suis dit pourquoi pas, parce que je sais que Tours est une ville de basket, je sais que Tours est un club structuré et ambitieux, et puis j'avais vu les garçons jouer et je pense que c'est des bons mecs et ils m'ont confirmé dès ce matin que c'était des travailleurs et qu'ils n'avaient pas peur de l'engagement. Et de l'engagement, il va leur en falloir. L'équipe traverse actuellement une mauvaise période. Avec 11 défaites en 15 matchs, elle est avant-dernière de sa poule en championnat. Alors en s'offrant une telle pointure du basket, le club espère sauver sa saison. On est fiers d'avoir un profil comme Valérie, avec son expérience et son palmarès, sa renommée. On a le téléphone qui sonne pour nous dire wow, c'est super et impressionnant. Maintenant, nous, on veut surtout que les victoires soient là. Et voilà, c'est bien d'avoir Valérie, mais Valérie avec des victoires, ce sera encore mieux. Premier essai demain pour la nouvelle coach et son équipe. Le TMB affrontera Berck pour sa 16e journée en première phase du championnat.